l'archéologie est quelque chose d'important pour moi depuis que je suis petit. J'ai toujours été passionné par l'histoire, par les civilisations anciennes, notamment les civilisations de la Méditerranée. Et j'ai été passionné très jeune aussi par les langues anciennes, par le latin, le grec, et puis ensuite j'ai pu découvrir les langues sémitiques, l'hébreu, l'araméen, le phénicien, l'ougaritique, l'acadien, etc., etc. C'est très difficile de dire, d'en nommer une seule, mais deux choses me viennent à l'esprit. Ce sont sans doute les manuscrits de la Mer Morte, découverts près du site de Qumran, et aussi le site de la maison de pierre qui a été découverte donc au cours du siècle dernier dans la ville de Capharnaüm. Alors la Terre Sainte est extrêmement riche en sites, en sites encore à fouiller, notamment les sites, des sites nabatéens dans le Néguef, mais aussi des sites byzantins, des monastères byzantins qui sont encore en attente d'être fouillés. Que ce soit du côté israélien ou du côté palestinien, il y a encore des choses à découvrir. Eh bien, nous vous attendons au Collège des Bernardins avec grande joie pour parler de la Terre Sainte, pour parler de la Bible, pour parler de l'archéologie. Soyez les bienvenus.